President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is back in session before giving the floor to the defense team for Mr. Nguyen to put question to the expert witness. De Nguyen pour interroger le témoin expert. The chamber would like to ask a question. La chambre souhaite to adresser the defense une question team for Mr. Kyu Sompon. À la Do défense you de Kyu Sompon. To put questions avez-vous l'intention to this expert d'interroger ce témoin expert based on the testimony of two witnesses en vous appuyant sur les dépositions de deux témoins Victor Coppé requested to use their documents faisant l'objet de documents que Maître Coppé a indiqué vouloir utiliser Oui, merci, yes, président, thank you, Mr. President, for giving me the opportunity to answer this question. Indeed, I had a few questions in mind regarding an aspect of the testimony of both of these people, but I thought that I wouldn't have to resort to an in-camera session because I was not going to be speaking about the duties these persons held. So I had planned my questions with other ideas in mind. I was not considering an in-camera session. So this is what I must say. Voilà ce que je peux dire. That's sur it, les thèmes que j'envisageais, en tout cas, je n'avais pas nécessité de passer un micro, à mon sens. I did not think that it was necessary to resort to an in-camera session for that. President, le président, my purpose of asking that question is si j'ai posé cette question, to allow the chamber to allocate an appropriate time puisse so that réserver party, particularly Coppé, can put questions du temps pour se faire to the witness, to the expert witness, pour que les parties, in y compris a camera session. La défense de Nguyen Chea puisse interroger l'expert à huis clos, le cas échéant. I have the smooth proceeding not to. Il s'agit d'œuvrer au bon déroulement des débats. Advancing to open and on another occasion move to closed session. Pour ne and pas the floor avoir is given to the defense team for Mr. déclarer to un huis clos pour ensuite before. Repasser en audience publique. Thank you, Mr. President. La défense a la parole. Your Honor, la défense. Counsel. Merci. Bon après-midi, chers confrères, madame, messieurs les juges. Also to start with request to the chamber, j'adresse une demande à la to chambre. Consider, giving limited Il s'agirait to us de nous accorder un peu de temps en plus pour interroger M. Osman, y compris compte tenu des requêtes antérieures de la défense de Kyu Sompon. Il s'agirait d'interroger M. Osman également durant la deuxième session, le deuxième quart de journée. Et ensuite, nos équipes de défense se répartiront le temps d'interrogatoire. Plutôt que de terminer demain à la fin de la première, du premier quart de journée, donc la pause café, on irait jusqu'à la pause déjeuner pour les deux équipes de défense. Peut-être pour compléter ce que vient de dire mon confrère, Maybe to complete what my colleague just said, I would like to remind you what the Kyu Sompon Defense's position is since the start. Since the start, we indicated that the time that was considered by the chamber seemed a bit short to us, not because we want to bother people, but because with Mr. Osman, there are a certain number of documents that we have to read out, and that takes time. So I believe I said, I don't remember when, but in any case, I believe I said that three sessions For the Kyu Sompon defense team is really a bare minimum. So I would like to stand by this request because given the time that is allotted to us, we only have 2.5 sessions and that is too short. So I'd like to stand by my original request. I think that in an email on 29 January, I repeated the fact that we were probably going to ask for extra time given that time has been reduced in the meantime, a day and a half and a day and a quarter. As it is now, initially, the chamber
pour chacune des parties. Had scheduled each one of the parties. D'un côté, partie civile et accusation. Had scheduled a day and a half for the civil parties and for the prosecution, and then a day and a half for both defense teams. Then the chamber considered another schedule where there would be a half day given to the bench, which would reduce to a day and a quarter the cross-examination of the defense. And I indicated that that seems to be a bit problematic because we are going to have to cover several documents. So I would like to request again at least three sessions for the Que Sampan defense team. Maître Coppe. Je vais poursuivre mon interrogatoire. Good afternoon again, Mr. Osman. Bon après-midi, Monsieur Osman. Before the lunch break, avant la pause, we were discussing maybe a delicate subject. Nous évoquions un thème qui peut être un peu délicat. Un sujet sensible. Je vous ai interrogé sur les gens qui, au secteur 21, étaient responsables de la répression de la rébellion. Celle qui a été si abondamment décrite dans votre livre. Une répression que l'accusation considère comme constitutive de crimes contre l'humanité. J'ai pris note de votre réponse. Corrigez-moi le cas échéant. Description. You said in my two Je vous cite dans mes deux livres. I did not mention any name Je n'ai mentionné aucun nom de responsables gouvernementaux qui auraient dirigé la répression et l'exécution des Cham. J'ai mentionné le secteur 21 qui a mené cette répression des Cham. Si c'est bien ce que vous avez dit, pourquoi n'avez-vous cité aucun nom People from sector 21 de gens du secteur 21 ou de la zone Est qui aujourd'hui occupent de hauts postes au sein du gouvernement. Pourquoi ne les avez-vous pas cités? Answer. Réponse. Based on my interviews with the most people, most of them did not La plupart des gens que j'ai interrogés n'ont pas cité clairement de noms. For this reason, I did not include Et c'est pour cela specific names. Que je n'ai pas inclus de noms précis. Unless the witness told me Their names, si I un would témoin have included ne cite pas de nom, those people's je ne peux pas inclure de nom. Regarding the suppression of Cham people, I in fact have referred to Quant the à la répression des Cham, interviews that I have conducted je me with suis witness. Référé I did not include aux anything entretiens beyond que j'avais eus avec les témoins et je n'y ai rien ajouté. Question. Soit. However, j'accepte cela. In your book, néanmoins, there is quite a, dans votre livre, big chapter on il y a sector 21, un chapitre assez long sur structure la structure du secteur 21 structure. Et sur celle de la zone Est. That is information, I presume you have Je suppose from, que ces informations découlent partiellement de documents d'époque. I believe it's quite well known, Je pense qu'il who est was, assez the sector 21 largement chief and who was the second man. Connu. It's quite well known who was the chief of the On military sait staff, qui était le chef d'état-major, le chef du secteur 21, son adjoint, well le chef de l'état-major de la zone Est. On savait qui étaient les chefs de la zone Est. You were right extensively as to what happened. But it seems that you do not wish to Vous écrivez beaucoup sur les événements, write down in your book mais il semble or give testimony today as to
que tant dans votre livre qu'aujourd'hui, vous soyez réticent à vous exprimer sur l'identité des possibles auteurs de ces crimes contre l'humanité. Peut-être avez-vous peur de le faire. Answer. Réponse. I do not have the fear to include that information, but je n'ai pas my eu peur d'inclure researches ces informations. Have their limits. Mais mes recherches s'inscrivent dans certaines limites. In researching more detailed information, there may have some particular individual who are now si working l'on approfondit in the les recherches, government il peut positions. Apparaître que certaines personnes qui occupent de hautes fonctions gouvernementales aujourd'hui aient un rapport during the avec Rouge time. Des activités de l'époque des Khmer Rouges. So I have nothing to add. Je n'ai rien à ajouter. Besides what I have just said, let me clarify one point. While I was working at the DC camp, I quand used to write a letter requesting to have interviews j'ai with some officials in the government. Je demandais de pouvoir interroger the reason of des that responsables letter gouvernementaux. Is to try to si find écrit cette out lettre, more information, c'était but pour at trouver the time, plus no d'informations, mais à l'époque, was communicated je n'ai to reçu me. Aucune réponse. La défense. Just to be entirely sure, at one point in time during your testimony, we will be moving into a plus tard, closed session. Au cours de votre interrogatoire, nous passerons au huis clos. Would it be helpful to you if I were to request the trial chamber serait-il utile to close the doors pour vous que je demande à la chambre de prononcer le huis clos pour ensuite vous reposer la même question. I have my legal officer j'ai here assisting me in à mes answering côtés une your juriste question. Qui m'aide à répondre à vos questions. Le President, you can consult with the legal officer, vous but pouvez you cannot consulter la juriste, ask your legal officer to give mais the response vous ne in pouvez demander à la juriste de répondre so à votre place. The main issue is whether or not the question has something to do with the cases 03 and 04. La principale question sur laquelle vous pouvez la consulter concerne les éventuels rapports avec les dossiers 3 et 4. Witness. Le témoin expert. My apology, Mr. President. Mes excuses, Monsieur le Président. I at first thought she has the right to give je a croyais response qu'elle était autorisée to questions à répondre put by à des questions posées counsel. Par la défense. In relation to the question, particularly the killings of young people by officials in the government, I l'éventuelle like responsabilité de responsables gouvernementaux question. Dans l'exécution de Cham à l'époque, je ne souhaite pas répondre à la question. La défense. I believe Madame Bardesh, the legal officer, is there la juriste, to advise you if Madame my questions Bardesh, in any way est présente pour vous dire éventuellement si mes questions peuvent être en I'm rapport sure avec l'instruction en cours dans les dossiers 3 et 4. Je ne vois pas en quoi vous considérez que ma question porte un lien quelconque avec les my dossiers en question. Je vais again. Vous expliquer à nouveau mon argument. Nous avons évoqué un thème délicat, une question sensible. Formulated neutrally, je vais employer des termes neutres. La question de savoir si
des membres actuels du gouvernement auraient une implication quelconque dans la commission de crimes contre l'humanité in September 1975, October 1975. En septembre-octobre 1975, crimes dont sont accusés les deux accusés. Nous savons que vous êtes expert de ces événements et ma question est la suivante. Serait-il utile pour vous que je prie la Chambre de prononcer le huis clos pour ensuite vous répéter la question? Réponse. Answer. I would like not to answer your question. Je ne souhaite pas répondre à la question. Particularly in relation to individuals who used to be working in concernant sector 21, whether ayant travaillé dans le in secteur closed 21. Or open sessions. My apologies, I cannot expand further on this particular issue. Je vous présente mes excuses, mais je ne peux rien dire de plus. La défense, but, je comprends bien. Cela étant, Monsieur le Président, il me semble que si une question dépasse la compétence de l'expert, en l'espèce, M. Osman n'a pas à répondre à la question. Par contre, si la question relève de ses compétences et correspond aux paramètres de ses recherches et de ses livres, en revanche, il est obligé de répondre. J'ai essayé d'aider l'expert en lui proposant de demander à la Chambre de prononcer un huis clos. Est-ce que l'expert est autorisé à refuser de répondre à une question? Pour autant, bien sûr, qu'il n'y a pas d'immixtion dans les dossiers 3 et 4. Je ne pense pas que ce soit le cas, puisque je ne pense pas que les personnes dont nous parlons fassent l'objet de l'instruction diligentée dans ces deux dossiers.
President. Le président. The chamber is opinion that the expert witness should answer le témoin expert the relevant doit questions put to you in relation to your expertise. Qui lui sont posées et qui sont en rapport avec ses compétences. And if the question are related to your si field of expertise and your knowledge dans and le experience, champ de compétences et relève de l'expérience, should answer the des connaissances de l'expert, and you can say, il I doit do y not répondre. Know, to the question le cas that put to you, échéant, il by peut saying, répondre, I do not know, it's also je ne sais a form pas. Of question. Cela aussi. C'est une réponse. So the chamber cannot force you to give the la responses to any question beyond your realm of expertise and knowledge. Ne relevant pas do you understand, Mr. Expert Witness? So again, if you have the basis and if it is within Monsieur your field of expertise, si vous êtes en mesure de répondre et que you la question should entre answer dans la portée the de questions. Vos compétences, vous you are devez here y as répondre. An expert witness, vous comparez not ici en tant a que témoin expert witness. Et pas en tant que témoin ordinaire. For simple witness, dans le witnesses, cas des témoins they, ordinaires, have, they should answer what they have known, then can, they cannot answer the assumption en fonction de or ce what qu'ils they savent. Did not know. Ils ne peuvent pas so now you can resume émettre your d'hypothèses sur des choses qu'ils ignorent. Maître Coppeux, allez-y. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. My last question was just intended to assist you and, ma question visait à aider l'expert. Asking you if you would be more comfortable if I asked the seriez-vous plus à l'aise si je priais la chambre de prononcer un huis clos? Si vous me dites que cela n'a pas d'importance, je peux répéter la question en espérant que vous puissiez y répondre. Seriez-vous à l'aise si nous abordions ce thème May I just add something here because lorsque nous serons while à huis clos, not allowed to give probablement legal demain, assistance la juge Fence, to this subject, the chamber obviously can Madame Bardèche explain. N'est pas en mesure, bien sûr, if you de fournir un avis session, juridique sur ce point, mais la Chambre peut le faire. Si l'on demande un huis clos, il y a des conditions préalables so à remplir. To allege that you feel vous devriez if you answer the estimer in open session, qu'il y aurait pour vous une menace pesant sur vous ou votre famille au cas où vous répondriez à une question en audience publique, Monsieur l'expert. Je rends la parole à la défense. Maître Coppeux. I don't see any reaction, apparemment, on your part, l'expert Mr. Osman. Ne réagit pas. Let me try again and let me see if I can je vais réessayer. Put the question in a broader context et poser la question dans un contexte plus large to answer. Pour voir si vous pouvez y répondre. You have been testifying at length about the Cham vous avez beaucoup parlé de la rébellion des Cham à Sveikleng, Korpal, as I said, en 75, en septembre. Subject. Vous avez écrit tout un livre là-dessus. According to your own interview with Matt Lee, il ressort de vos entretiens avec Matt Lee que 20 à 30% de milliers de familles de Copal seulement ont survécu. Je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas, c'est ce que lui affirme. In your book, you're writing extensively dans votre livre, vous écrivez abondamment sur la structure du secteur 21 de la zone Est. Ces trois villages sont situés dans le secteur 21 précisément. Votre mentor, vous l'avez dit, c'était l'expert Steve Heder, lequel, selon nous, est l'auteur de ce rapport de Human Rights Watch que je n'ai pas été autorisé à examiner avec vous. I'm putting it to you that sector 21 and or the East Zone forces que les forces du secteur 21 et ou de la zone Est étaient uniquement responsables de la répression brutale de cette rébellion. And I'm furthermore putting it to you de surcroît, je vous dis among others, Mr. Ukbunchun, que M. Ukbunchun, the number two of le numéro 2 du secteur 21 en 75, Heng Samrin, Heng Samrin chief of the East chef zone, de la zone Est et
de l'état-major militaire, ainsi que Sao Pim, chef de la zone Est, et Hun Sen, commandant du régiment 55 en 1975, je vous dis que tous étaient responsables de ces crimes contre l'humanité. Je vous prie de nous livrer un avis d'expert en réaction à mon affirmation. Please indicate if you agree that they were que je vous soumets et dites-moi si vous convenez qu'il s'agit là de gens qui figuraient parmi les principaux auteurs de ces crimes contre l'humanité. L'accusation, une brève observation. It's a very long introduction to the question. C'est une très longue introduction à la question posée par la défense. Et la défense affirme plusieurs choses, notamment le fait qu'il est longuement question dans le livre du témoin du secteur 21. Or, je n'ai pas la souvenance qu'il y soit question de la structure du secteur 21. On y trouve des informations sur le district de Kreuzschmar, mais pas sur le secteur. La défense. Le président interrompt. La parole est à l'accusation. Mr. President, le substitut du procureur national. La défense a cité des responsables gouvernementaux. Committing crimes against humanity and lied to have the source l'humanité. For that reference. J'aimerais connaître la source de telles affirmations. Well, la défense. I'm not sure how to react to that one. Je ne sais pas comment réagir à cette intervention, Monsieur le Président. Adjust my question as je vais adapter ma question. Par rapport à ce que vous indiquez dans votre livre sur le district Kreuzschmar et pas concernant le secteur 21, mais mon affirmation reste inchangée. Au moins ces quatre personnes précitées, vous dis-je, peuvent être considérées comme étant les principaux auteurs de ces crimes contre l'humanité perpétrés dans le district de Kreuzschmar cette fois-ci. En tant qu'expert, comment réagissez-vous à cette affirmation ? What I stated in the book was ce que based on dans the mon ouvrage available documents se fondait as well sur les as the accounts of people that I interviewed. Et les récits des personnes que j'ai interrogées. I stated none of the people that I interviewed comme je l'ai dit tantôt, expressly mentioned any of those names. Aucune des personnes n'a expressement fait mention they de ces noms-là. They made an indirect reference to those people that elles they were part of the leadership à ces in Sector 21. Qui faisaient partie des dirigeants du However, secteur they 21. Did not mention that the four individuals, including ces témoins n'ont pas dit que les quatre personnes and Hun Sen that they were implicated in the killing of the Cham people. Auraient été impliqués dans l'exécution des Cham. And the four individuals that you mentioned, les quatre personnes dont vous avez donné les noms, survivors and they are living now. Sont des rescapés. And if you wish to get clarification on that, you should put such a submission to the chamber so the chamber can call them for clarification. Vous pouvez les faire comparaître pour des besoins d'éclaircissement. Asking la défense. That witness to be summoned. C'est Osman, mon plaisir on, de demander à la Chambre expect, de faire comparaître de telles personnes. You, je vais either. Passer à autre chose. Je n'attends pas une réponse. Et si j'étais vous, je ne répondrais pas non plus. Permettez-moi de passer Can à Ouk Boon Chun, l'accusation. J'aimerais faire une objection. Parce que le conseil fait des discours au lieu d'interroger les témoins. Le conseil utilise son temps. Et fait des discours au lieu de poser des questions pertinentes aux témoins. No, la défense. Je vais me
And Mr. Expert, you are reminded to respond only to the limit of your expertise, and you do not need to mention or interfere with the authority or the discretion of the chamber, for example, on the summoning any witnesses. You should respond to the limit of your knowledge and expertise, and if you don't know the response to that question or fact or event, you just simply say no. Contentez-vous de répondre par la négative. And you don't need to make any descriptive response, otherwise you would put yourself in a hot seat. Donner des qualifications ou donner des descriptions, sinon vous vous mettrez en mauvaise posture. Mr. Osman, I will move on. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Osman. Who might have been je vais behind, passer à autre chose. The 75 rebellion that we have been discussing. Qui était derrière let me turn la rébellion to an interview de 1975 that, dont nous avions parlé. Je vais vous donner lecture d'un entretien pour Moon Chun a eu avec votre mentor, Steve Heather, document E3-387. English ERN 00350206, French 0206 en français, 00441418. Council, please repeat the document number and the EIN again and do it slowly this time since the three working languages are used in this code. Un peu plus lentement pour les besoins d'interprétation dans les trois langues de travail du tribunal. La défense, je m'excuse, il s'agit du document E3-387 en anglais, en Khmer, pardon, 00374987 English 00350206 French 00444418 418 à 19. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une interview qu'a donné Steve Heather à Upun Chun, le numéro 2 du secteur. And he is saying the following il about ce qui suit, the rebellion. En ce qui concerne he's talking about two rébellion. Movements. Il parle de deux mouvements. He says the first movement was of Cham Muslims along the Mekong River, Kochmar district, Bang Mun district in sector 22. He means 21. District 22, which included en fait, certain 21, districts in the provinces of Beijing, Kampong Cham, and Kandang. And he says the movement et il intended dit, to create a state within a state état dans l'état, because the Cham Muslims wish musulmans to occupy Cambodian territory on the eastern bank of the Mekong River to central Annam to create Mekong a state. Afin de créer this un was état. According to their confessions. Ah, they had an organization, Furo Champa, under the leadership of Sabun Basgazan. Leur organisation s'appelait Fulro de Champa. Je ne vais pas aborder les aveux pour éviter les objections du procureur. Je commencerai par vous demander si vous connaissez le document d'accusation. J'aimerais faire objection avant que le conseil ne poursuive. Il vient de donner lecture d'un document qui, comme il le reconnaît, est un aveu. D'après la décision de la Chambre, il n'est pas autorisé à le faire. Il le sait, mais il le soumet quand même aux témoins. Un document issu des aveux obtenus sous la torture, nous le pensons, et il essaie de nous dire qu'il se fonde sur cet élément de preuve qu'il soumet aux témoins experts. Compte tenu de votre décision, les éléments de preuve entachés de torture ne sont pas recevables devant la Chambre et ne peuvent être soumis aux témoins. La défense. Je donne lecture de ce document d'après votre décision hier. Et si je l'ai bien comprise, il faudrait d'abord établir que les aveux proviennent effectivement des institutions où l'on soupçonne que des pratiques de torture étaient infligées. Je suppose qu'il s'agit de S21. Whether
Ogbonchun was Mais in fact, savoir, when he was giving this interview, relying not on confessions of S21, se fondant sur les aveux de S21, mais plutôt sur ceux du centre de sécurité de Crouchemar. Et nous n'en savons rien. There, so, nous ne sommes pas au fait des actes de torture qui y auraient été pratiqués. The expert can answer this question si l'expert peut répondre à la question, maybe shed light on the use of confessions and if they were indeed maybe from Crouchemar Security Center, which would make sense, then we have a different situation. Alors, la situation serait totalement différente. Could I suggest that we ask counsel what his question is? Because I do object to him reading what he read, but I think the next step is what is his question? Qu'il donne de cet extrait, mais la prochaine étape, c'est de savoir quelle est sa question. La défense, je n'ai aucun problème à reposer ma question, car j'aimerais soumettre à M. Osman ce qu'il a dit en réponse au juge Lavergne. The transcript of 10 February 2016 at 15h43. And the question of Judge Lavergne was, to the extent that the objective of the furor was to create a charm state and to support the Chamba, if I understood you correctly, could the Khmer Rouge not have seen in such plans something that could eventually pose a threat to the democratic Cambodia regime? Or according to them, it was in their interest insofar as such a force risked turning increasingly against Vietnam as opposed to Cambodia? That's the question of Judge Lavergne. Then the answer of Mr. Osman is, the history of the Fulro movement never wanted to capture Cambodian territory and created the Champa state. The Fulro movement itself was supported by the Cambodian government, by the Cambodian people. There was only one goal for the Fulro movement, that was to regain back the territory of Champa. And there was only one important goal. Now, he is saying something which seems to be at odds with what Ogbonchun is saying, whether he is relying on confessions or not. So that's the actual ultimate goal of my question. Thank you. And if I could just be heard on the issue of whether the burden to establish whether something is from torture or is not. I understand the ruling of the court to be that the burden is on the party proposing to use that evidence to show when there is a risk that the evidence was not obtained by torture. Counsel just said he has no information about Crouchemar, and again, he's just speculating that maybe this evidence came from Crouchemar Security Center. Our view is that the evidence has shown throughout DK that torture was regularly used in the security centers. The counsel basically, in our view, admitted he cannot meet the burden of proof to show that the documents did not come from torture. Furthermore, we know that Cham were taken to S21 and tortured. That's part of the expert's book. So we don't think the defense has met or can meet the burden of showing that the information did not come from torture. Our view is it clearly did. And why is it, Mr. President, that we cannot meet this burden? Because I think 6 times already we've asked for Mr. Ogbonchun to be summoned to testify so that we could ask the question to himself. Then we will know what confessions were that he was referring to. Now we still don't know, and now we are being accused of not meeting our burden. L'accusation maintenant est en train de nous accuser de ne pas nous acquitter de la charge qui nous incombe, et je pense que cette remarque n'est pas appropriée. Le juge Fenze, pour ce qui est de la charge de la preuve, il faudrait d'abord que la Chambre de première instance fasse une évaluation préalable, ensuite il y a une prochaine étape. Au préalable, il faudrait une évaluation de la Chambre. Correct, but you have deleted from the scope Crouchemar Security Center, so there's no information for us there. Je crois que I'm not allowed to question Ogbonchun, so my hands are tied, and I'm asking Mr. Osman whether he knows the confessions si could be coming from Crouchemar. It would be speculation, I agree, but simplement demander au témoin s'il sait que ses aveux provenaient de Crouchemar. C'est de la spéculation, je le sais, mais je n'ai pas le choix.
Counsel, to avoid confusion, could you please represent or reread pouvez-vous relire ou représenter, the part présenter à nouveau, which says that this is based on confessions, et que, or redirect us again ce to the se fonde sur des aveux. Part of the document where it said that this is based on confessions. Document qui dit que cette déclaration so provient des aveux. That's in Okunchun's interview with Heather. C'est l'interview d'Okunchun avec Heather. Questions about the rebellion. On lui a posé des questions sur la rébellion. And then he offers information on et the Fulro. Et il fournit des informations sur le Fulro. Says that the movement intended to create a state within the state. À créer un état dans l'état. And then there's a sentence. Et il y a une this was according to their confessions. Qui dit tout ceci, c'était selon okay. les aveux de ces gens-là. International lead co-lawyer, you should have taken the stance before the bench deliberates the matter. Vous auriez pu intervenir avant usually que you are on the prosecution délibère. Side, and you should take stand after the co-prosecutor. And I believe everyone is here or has been here for many years, so you should know the practice. Anyway, we will allow you this time, but in the future, do nous not do it that way. Do not like, do that again. Cette fois, mais que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai pris bonne note de vos remarques et j'essaierai de me préparer et en temps et en heure. Je relisais simplement votre décision et je constatais que, si je l'ai bien lu, la Chambre a déjà procédé à cette évaluation de risque prima facie, considérant que tous les centres de sécurité, y compris S21, présentaient un risque. Donc il ne s'agit pas simplement de S21, mais de tous les centres de sécurité. C'est en tout cas ce que j'ai lu dans votre décision. Voilà, je voulais simplement apporter cet élément de précision avant que vous puissiez rentrer en délibéré. Before you go into your deliberations. My understanding is that je comprends que l'objectif de la défense est de montrer que ces aveux découlent d'une situation où la torture est infligée. La défense, si je comprends bien votre décision antérieure, il n'y a pas tellement de situation de risque en ce qui concerne les centres de sécurité de Krochmar. Je n'ai pas la décision sous les yeux, mais il semble qu'il y ait une liste de centres de sécurité où ce risque est supposé, mais le centre de sécurité de Krochmar n'y figure pas. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est ce que mon équipe me fait comprendre. Judge Lavergne, you have the floor. Le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste pour les besoins du transcript, parce que je n'ai pas non plus amené avec moi cette décision. Est-ce que Maître Guiraud pourrait nous donner les références exactes de la décision? Mais de mémoire, il me semble bien que la Chambre a dit que tous les centres de sécurité, en tout cas tous ceux qui étaient listés dans l'ordonnance de clôture, devaient être considérés de la même façon. Order and that they should be considered oui, Monsieur in like manner. Le Président, Monsieur le Juge, c'est la décision E350/8 en anglais. And in English, the TC considers confessions from S21 and other security centers to carry a real risk that they were obtained by torture. Il présente un risque sérieux. Donc il semble clair à la lecture. So, upon reading your decision, it appears to be clear that all the security centers are covered by the prima facie assessment that you made in your decision. Et le paragraphe, Maître Guiraud, éventuellement. Mrs. Guiraud, what is Maître the paragraph? Guiraud, Madame, what is the paragraph of that decision? 79. Let me read to you, and if I'm allowed to sit to read better, what si I believe je peux, your decision is. Donner lecture des termes de Charles Chamber refers explicitly to paragraphs 14.8 and 14.11 of the closing order.
48, those are the security mentioned in 14, that allegedly de l'ordonnance de used torture. And the security centers which fall into that category are Koyang, Kodok, Krangtachan, the North Zone Security Center, Phnom Krol, Prey Dram Resrot, S21, Sang, and Wat Tlok. So no Krochmar district centre de sécurité du district de Krochmar.
President. Le président. I'd like to hand the floor to Judge Lavange to make an oral ruling on this matter so that we can proceed with hearing the testimony of the expert. Judge Lavange, you may proceed. Entendre le témoin. Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur yes, le thank you, Mr. President. La Chambre considère the Chamber considers that the practice of torture à première vue une is, qui était généralisée on first sight, a practice that was generalized and applied in all security centers in democratic Cambodia, including, therefore, Krochmar. Pour cette raison, and la Chambre considère therefore, que the Chamber considers si that, le fondement de la question concerne des informations obtenues of the obtained, in confessions coming from Grochma, there is a presumption that these confessions were obtained under torture, and therefore it's up to the defense to combattre cette présomption en établissant convince que ce n'est pas le cas. Us of the contrary. So if the aim of the question to the expert is to question him on the fact whether or not torture was practiced at Krochma, fine. However, if in that case the question would be allowed. However, if the point is to put questions to him using information that is liable to have been obtained under torture, in that case the question will not be authorized. I really do not understand this decision. Je ne comprends vraiment pas cette décision. Si Krochma n'est pas visé par ce procès, on ne peut pas le savoir, ce n'est pas mentionné dans la décision de clôture. Si ce n'est pas, on ne peut pas non plus demander à Aung Bun Choon parce qu'il ne viendra pas. Monsieur Osman, savez-vous quoi que ce soit sur le centre de sécurité de Krochma? Bạn miễn. Réponse. Yes. Oui. What is it that you know about Krochma? Question. Que savez-vous de ce centre? Est-ce que des gens y ont été envoyés après la rébellion? Sumrap. Answer. Réponse. In relation to the rebellion at Koh Phal, those who were involved in that rebellion were not sent to la the security de Koh Phal center. N'ont pas été envoyés au differently, centre de sécurité. Those who rebelled at Swai Kleang were sent ceux qui se to sont that center. Rebellés à Swai Kleang, the location ont été of envoyés. The center was ce centre so small, so it could not accommodate hundreds of those who were involved in the movement. They were instead sent to be detained at schools ils ont and été placés en détention dans des écoles et dans des pagodes. Before I go into the details of Krochma Security Center and those schools, d'examiner en détail do you know whether people who la détention were involved in de ces gens dans les écoles, savez-vous si des participants aux rébellions ayant été arrêtées, ont fait des aveux qui ont ensuite été adressés à Aung Bun Choon. Frankly speaking, franchement, I have never received even a page of confessions. Jamais. Which came from the security center of Krochma. Des aveux provenant de Krochma. Because of time, I will move question. On. Question. Faute de temps suffisant. Osman, je passe à autre chose. Full role. Je vous interrogerai sur le full role. Savez-vous si cette organisation ou encore l'ESCOSEM dont vous avez parlé il y a quelques semaines ont été d'une façon ou d'une autre impliqués dans la rébellion de 1975? Answer. Réponse. I have heard the word or name Fulro before j'ai I became a researcher ce nom de at DC avant Camp. De devenir chercheur I au CD have Cam. Heard that
name from my relatives and parents. Des membres de ma famille ont employé cette appellation. Was a movement. Le Fulro group to était un groupe liberate Champa from visant à libérer le Champa d'un autre pays. The Fulro, in fact, had en réalité, a clear intention. Le Fulro poursuivait un dessein clair. To create a state Il n'avait pas l'intention Cambodia, de créer state un État would au sein du Cambodge. The country of Cham. Un État qui serait devenu Fulro did not support only un État de Cham. People, but also le Fulro n'aidait pas seulement the previous les Cham, government, mais également the government, existed before 1970. Le gouvernement There d'avant 1970. Two purposes. Fulro, deux objectifs étaient poursuivis Fulro par le Fulro. Intended to liberate Champa D'une part, from another il country, fallait and libérer another le Champa Fulro, d'un autre pays. Il y avait un autre Fulro to, liberate another qui voulait land libérer d'autres at the lower territoires part of, Cambodia. Dans le Kampuchea Krom. Let's move away a little bit from the intentions of Fulro, la défense. Whether that was to create a state Oublions within un instant Cambodia or not. Les intentions du Fulro, créer you know, ou non un État dans l'État au Cambodge. Savez-vous si le Fulro et Laskosem avaient des relations étroites avec les forces spéciales américaines, avec la politique étrangère américaine en Indochine? Laskosem. Laskosem. Laskosem was an elite. Or a dignitary était recognized une personnalité in de haut rang Sangkomres Niyom. And later on, he dans le régime du Sangkomres Niyom. Leading par la suite, general il est devenu in Lon Nol's un des principaux time. Généraux Laskosem à l'époque was de ethnically Cham. Lon Nol. Cette personne était un Cham. He was well known by il était bien connu. The public and those who were born long time ago also know the name Laskosem. Et les anciens connaissent aussi ce nom. Laskosem was part Laskosem of Fulro movement as well. Faisait partie du Fulro également. And there was another ethnic Jarai Imbaram Inyol. Un Jarai Imbaram He was one of the leaders as well in qui était Fulro. Aussi un des chefs du Fulro. Question. We have provided you with, Nous with vous avons remis to, des documents General Laskosem ayant trait au Fulro. Général Laskosem et au Fulro. Il y a en particulier provided you with a cable from US Secretary of un télégramme to, du secrétaire d'État américain adressé à différentes ambassades américaines daté d'octobre 1973, E3/96-89. C'est un câble de Kissinger. And, we believe that the document, Nous pensons shows the que ce document montre qu'il y a une étroite coopération General, Lon, entre le brigadier Lon, général Lon Nol Kissinger et a conversation d'ailleurs Kissinger Lon, relate Lon, une conversation qu'il a eue avec Lon Nol et Kissinger évoque les activités de Lon Nol et de Laskosem ainsi que le Fulro et différents aspects de la question Cham. Savez-vous quoi que ce soit sur l'implication du gouvernement américain dans les activités du Fulro et du général Laskosem? Savez-vous si par la suite cela a eu un rapport quelconque avec la rébellion de 1975? Answer. In relation to Fulro's movement, frankly speaking, I did not go deep into the research je n'ai pas about the structure, political aspects, and du Fulro. In-depth test of that movement. Ou encore la question I only, des missions de I ce am mouvement. Only aware that, the Tout ce que je sais, Fulro c'est que ce mouvement, le Fulro, avait pour but de libérer Cambodia, le Champa Crown. Et le Kampuchea Krom. I understand that, la but I'm just défense, trying je comprends bien, any, mais j'essaye
information from d'obtenir de vous des informations sur les raisons pour lesquelles les forces du secteur 21 ont utilisé tellement de puissance militaire pour écraser la rébellion. Dans votre livre, il y a des témoignages selon quoi des chams portaient une ou deux armes à feu ou des bâtons, tandis que les troupes du secteur 21 ont recouru à des forces militaires puissantes pour écraser cette rébellion. Savez-vous si d'anciens soldats du général Lascosem avaient quoi que ce soit à voir avec cette rébellion? Je n'ai pas fait de recherche. The rebellion in the three villages, particularly the relation of those three villages with Lascosem. Ces trois rebelles et Lascosem. Je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. La défense, pas de problème, je passe à autre chose. Un autre aspect de la rébellion. Into 76, 77. En 76 et 77, cette fois, c'est la rébellion organisée par ce qu'on appelait les Khmer blancs. Il y a quelques semaines, des questions vous ont été posées à ce propos. Is my understanding correct also into, si j'ai bien compris, activities of the White Khmer, you have done only, limited research. Vous n'avez fait que des recherches limitées sur l'existence et les activités de ces Khmer blancs, n'est-ce pas? But réponse. That is true. C'est exact. Question. And are you able to explain as to the reasons why? Because there seem to be pouvez-vous dire quite a substantial pourquoi? Number of cham. Apparemment, people who are il y a talking about pas mal de cham in one form or another about qui évoque d'une façon ou d'une autre l'implication des cham dans ce For mouvement instance, des Khmer blancs. Nous, il y a, par exemple, 21 constitutions de partis civils. Il s'agit à chaque fois de cham qui parlent d'autres cham impliqués dans ce mouvement des Khmer blancs. Il y a eu un témoin qui est venu ici, Nosatas, et qui a parlé de la rébellion des Khmer blanc en 75, en 77. Alors, pourquoi n'avez-vous pas approfondi vos recherches à ce propos? L'accusation, par souci d'équité envers ce témoin et Nosatas, on lui a demandé si son père avait été tué après avoir été accusé d'être un Khmer blanc, mais cette personne n'a jamais dit avoir été Khmer blanc. La défense, je ne pense pas que ça soit la situation réelle, mais oublions Nosatas pour l'instant. Parmi les partis civils et d'autres cham, il est beaucoup question de l'implication des cham dans le mouvement de rébellion des Khmer blancs. Dans ces circonstances, pourquoi n'avez-vous pas creusé la question? Le président, veuillez patienter, monsieur le témoin expert. Je donne la parole à l'avocate principale pour les parties civiles. Merci. Thank you. Merci, monsieur le président. Thank sur you, les 21 President. Regarding the 21 parties civiles qui sont mentionnées par notre confrère, aucun my colleague, none of the documents à ces parties civiles referring to the civil parties has been admitted. Et quand nous avons nous-mêmes and, when we read over these documents, simplement only fait un lien one of them makes a clear connection between the Cham et les Khmer and Sa, the Khmer Sol. The White Donc, Khmer. Quand notre so confrère when our colleague, therefore, fait une généralisation en generalizes disant que and says that 21 civil parties make a connection between blancs, the Cham and the White Khmer, cela me paraît well, inexact, that seems to me inaccurate, and I simply wanted this to be clear on the record. Thank you. 21 Maître more or less. Cope, 21 personnes plus ou moins. Le chiffre n'est pas très important, M. Osman. La juge, au fin du procès-verbal, quand nous allons rédiger le verdict et qu'il sera question de ce segment où il est fait mention de 21 personnes, vous pensez que quelqu'un prendra la peine de vérifier? Si vous voulez être pris au sérieux, donnez les références.
Maître Copper. I'm happy to give those references, je suis prêt à les donner, mais je vois que l'heure tourne. We have sent 21 civil party applications nous avons envoyé 21 constitutions de partis civils avec les références. Je peux le refaire, même si ça prend du temps dont je dispose. Nous allons les mentionner dans nos mémoires de clôture, sans aucun doute, et donc vous devrez en tenir compte. But let me rephrase quoi qu'il en my soit, question. Je reformule. We don't get anywhere, Mr. Sinon, nous n'avancerons pas, Monsieur Osman. Pourquoi n'avez-vous pas mené de recherche sur l'implication de Cham dans le mouvement des Khmers blancs? Answer. Réponse. I am of the opinion that it is selon moi, not useful. In relation to the deaths of ce serait inutile Cham people in connection with pour en savoir davantage sur la mort de Cham en rapport avec les Khmer actually, blancs the en réalité in fact Khmer Rouge said that Cham people were killed Rouge because they were under accusation that they were les Cham étaient Khmer tués saw parce qu'ils Khmer. Étaient accusés d'être some des Khmer blancs. People were victims certains Cham of the of that accusation. Étaient victimes de cette accusation. Some others were accused of being d'autres ont CIA été accusés d'appartenir à la CIA, KGB agents or Vietnamese KGB, agents. So the same applies to those who were victims c'est of la même chose pour ceux that qui accusation. Ont été victimes de I cette accusation. Did not need to il n'était pas utile de mener des recherches à ce sujet. So the same as a KGB, c'est comme dans CIA le cas des gens accusés d'appartenir that was the, à la CIA, to au KGB ou d'être des agents President. Du Vietnam. C'était un prétexte pour tuer des Cham. Le président a m'a envoyé d'observer une courte pause. Court officer, please assist the expert witness during the break jusqu'à time and please invite him together with the legal officer from the OCIJ back to the witness stand. Veuillez le ramener ainsi que la juriste de BCJ. The court is now in recess. À 15h05, se corrige l'interprète. 15h05. Suspension de l'audience.